kubera yuko izo mbabazi nagiriwe ni icyaha cyari cyakozwe zifite uburemere bwinshi cyane kubera icyaha nari nakoze cyari ndengakamere. Bonjour, je m'appelle Joel Karekezi, je suis cinéaste au Rwanda. J'avais 9 ans quand le génocide contre les Tutsis a éclaté en 1994. Mon père était parmi les 800 000 personnes massacrées pendant ce génocide contre les Tutsis. 25 ans après, je vais vous faire rencontrer les génocidaires, les rescapés, qui vont vous parler du pardon. Le pardon en Kinyarwanda, c'est Imbabazi. C'est un mot qui a changé de vie ici au Rwanda. Aba bantu twari duturanye. Uyu mugabo rwose agasa nk'uwabaga mu rugo rwanjye, amfasha nk'imirimo, afasha n'abana bo mu rugo, hanyuma uwo mugabo ajya kugenda ahunga, ahungiye aho uyu nguyu baturanye. Noneho rero agera ku rugo rwaho bagira batya baramufata baramwica, ariko uyu we rwose yabaga mu rugo n'imirimo twakoraga yose no guhungisha yabaga ahari. Le génocide contre les Tutsis a été une tuerie entre voisins. Ils utilisaient des machettes, des coups de feu. Les coupables, ils ont été jugés et emprisonnés. Après quelques années, quand ils ont été libérés, ils sont allés vivre dans les mêmes villages, mêmes montagnes, tout près de leurs victimes. Nkigishwa numva ko ngomba kubana n'uwantukiye, ngo naje kubona abaza bansaba imbabazi muri njyewe, avuga nti kuva babasha kunyegera nkabona ko ntakiri njyenyine, reka nanjye ne kuguma kwizirika, kuko simwizirika ku bapfuye abariho ariho nduzi. Pour essayer de recréer les liens, le gouvernement rwandais a mis en place la politique d'unité et réconciliation. Les génocidaires ont été sensibilisés pour accepter et demander pardon à leurs victimes. Il y a aussi des organisations NGO, c'est le cas de l'association Modeste et Innocent AMI, qui travaille avec les rescapés et les génocidaires en les incitant à travailler ensemble et vivre ensemble dans les mêmes communautés. Imbabazi nazihawe kuko nazisabye kandi mbikuye ku mutima. Ubwo rero bazimpaye kuko nari nzisabye, byaranshimishije cyane. Dans les villages où j'ai tourné, les gens ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble. Le passé n'est pas oublié, mais les liens se construisent petit à petit. Pour moi, je pense que le pardon, c'est pas vraiment facile, mais c'est nécessaire pour le bien de la nouvelle génération, pour qu'ils puissent vivre en paix. Icyizere cy'ubu ni uko amacakubiri tugifite, mbere ho habagamo amacakubiri ngo abigaga kera, ngo buri bwoko ngo bwagiraga igipande cyabo bicaramo, abahutu bakabicaye ukwabo, abatutsi ukwabo n'abahutu ukwabo. None ubu ngubu bose amasomo namwe bose basigaye biga bimwe bakicarana, ngo ikizari cyo ngicyo ngere. Umunsi mwiza wijije umucyo, twateye intambwe ntitwatsikira, none igikwiye dushime Mungu. Mungu yakuremye aguhagaritse, wambitswe ikamba uratamirijwe. J'espère que ces histoires vous ont touché. Je vous invite à regarder d'autres histoires sur la chaîne Les Reparleurs sur YouTube. Merci.